Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Alsace pour l'actualité. Un Français sur trois dit un jour vouloir créer son entreprise, mais pas facile de passer à l'acte et de surmonter les difficultés notamment administratives. Alors un site internet a été mis au point pour soutenir les créateurs dans leur démarche. Mapetiteentreprise.net, c'est son nom, est basé à Logelheim. Marc Schmitt, Raphaël Doumergue. Après 18 ans à travailler en tant que salarié, Olivier Sina a décidé, il y a 2 ans, de créer son entreprise de toiture. Seulement voilà, la création d'entreprise, il n'y connaissait rien. On se dit, attention, si tu mets le doigt là-dedans, tu risques de passer un sale quart d'heure. Parce que c'est très compliqué, parce qu'on connaît notre métier, mais on ne connaît pas tout ce qui est à côté. Donc tout ce qui est administratif et tout, c'est vrai que c'est une montagne. Quoi. On arrive devant, on se dit, bon, faut y aller. Quoi. Pour affronter la montagne, il se tourne donc vers le site internet alsacien petiteentreprise.net. Pour se documenter d'abord, avec 6200 fiches pratiques disponibles gratuitement, puis pour rencontrer un conseiller. Après un suivi de 2 ans, son entreprise compte aujourd'hui 2 employés et son chiffre d'affaires a dépassé les 300 000 euros l'an dernier. Une étude de marché, des questions juridiques, quel statut pour la société, là vraiment c'est très important pour vraiment choisir en fonction de ce qu'on veut faire et de ce qu'on a besoin de faire. Si je n'avais pas eu un conseiller vraiment pour m'appuyer, je me serais probablement mis dans une voie de garage. Vous seriez allé au bout quand même sans lui ? C'est pas certain. La majorité pense qu'ils vont y arriver seuls. Et c'est très compliqué. C'est bien pour ça d'ailleurs que petiteentreprise.net, c'est bien, parce que du coup, c'est eux qui font la démarche. Et hop, nous, on arrive derrière, ils ont déjà fait la démarche, ils ont déjà vu qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Comme Olivier, des milliers de patrons ont déjà consulté petiteentreprise.net avant de créer leur entreprise ou pour y régler l'un ou l'autre problème de gestion. À Logelheim, le siège du site internet, une dizaine de personnes se chargent de mettre en relation les entrepreneurs avec l'un des 1300 consultants présents dans toute la France. Le chef d'entreprise nous contacte, nous le rappelons dans l'heure, systématiquement. Nous lui proposons le professionnel du conseil adapté et près de chez lui qui convient. On va lui proposer un rendez-vous dans les 48 heures, généralement suivant sa demande. Les deux personnes se rencontrent et le professionnel prodigue ses premiers conseils. Jusque-là, c'est gratuit pour le chef d'entreprise. Entrepreneur et conseiller décident ensuite ou non de travailler ensemble. Le conseiller, qui paye un abonnement au site internet, fixera par la suite librement le prix de ses prestations. Avec toujours plus de rencontres organisées, 50 000 depuis 2007, la petite entreprise semble encore avoir de beaux jours devant elle.